know if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Yo, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit done. Write the song, Q. Shut the fuck up, Q. Wait, please, wait, Q. Yo. Yes. Bonjour et bienvenue à tous sur Just For You, je suis en présence de Martin qui va vous présenter l'événement de la Copa del Mundo. Bonjour Hugo, alors la Copa del Mundo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une coupe du monde de football qui a été organisée par deux jeunes du quartier Favreau. C'est exactement ça, les deux organisateurs, ils ont moins de 19 ans, ce sont des jeunes de Cholet qui ont vécu à Cholet dans le quartier Favreau. Et malgré ce qu'on pouvait en penser, la Copa a quand même... rassembler plus de 300 personnes en période de confinement, de couvre-feu. Et donc autant dire que ça a eu plutôt un grand succès. Et donc c'est sur ces bases qu'on a décidé de vous préparer un reportage sur la Copa del Mundo de 2022. Vous supportez le Maroc? La France, qu'est-ce qu'ils ont fait la France? Dernière, on était à Europe, on était en classe tous les deux, dans la même classe. Puis il y avait un confinement, mais on savait pas quand est-ce que ça allait être le confinement. Et on s'est dit pourquoi pas faire un petit tournoi entre quartiers, entre copains, tout ça. Le tournoi, il a duré 2 semaines. C'était vraiment choquant parce qu'on savait pas qu'il y avait autant de monde. En fait, au fur et à mesure de la préparation, c'est devenu de plus en plus sérieux. Ouais, surtout avec les affiches, les réseaux sociaux, ça tournait un peu partout. Ça s'envoyait, tout le monde s'envoyait ça sur Snap, sur Instagram, ça a tourné. Je pensais qu'il allait y avoir du monde par rapport aux équipes, qu'il allait venir avoir des affiches intéressantes et tout. Mais on ne pensait pas qu'il allait y avoir, par exemple, tout le quartier, des gens d'ailleurs qui viennent juste regarder les matchs, tout ça. Et du coup, ouais, on était choqués, surtout le premier jour en fait. Derrière toi, Romain, gauche. On était en pleine période de couvre-feu l'année dernière. Justement, est-ce que... qu'est-ce qui vous a poussé à maintenir l'événement? Les gens, parce qu'ils ont aimé le tournoi. Et ils voulaient directement refaire un autre tournoi carrément. Du coup... Vous avez hésité à l'annuler ou un truc comme ça? Au début, il y a eu des complications. Au début du tournoi, parce qu'il y a eu la police. Il y a eu la police, mais finalement, ça s'est bien passé, parce qu'ils nous ont rien dit. Pendant le tournoi, il y a des gens qui se sont pas vus depuis 5 ans, même depuis 10 ans, qui se sont revus. En fait, c'était une ambiance spéciale, sachant que c'était pendant le Ramadan. Du coup, c'était une ambiance vraiment spéciale. Et... ouais, voilà. Pardon, vous avec la main, s'il vous plaît. Des anciens, enfin des adultes en général, comment est-ce qu'eux, ils ont perçu ça? Comme quelque chose de perturbateur, un délire entre jeunes, un truc comme ça, je sais pas. Non, carrément, ils ont trop aimé, parce que c'est la première fois qu'il y a eu un truc comme ça. Du coup, ouais, franchement, ils nous ont encouragés, et même à refaire là cette année. Pourquoi c'est bien? C'est quoi les dépôts aussi? De réunir beaucoup de jeunes, ici. Ils font pas de bêtises entre-temps. Voilà. Il n'y a pas de bêtises, tout le monde est là, on s'amuse, on fait la fête, tout ça là, quoi. Vous avez partagé sur plusieurs réseaux, enfin ça a tourné un peu partout. Justement sur, je ne sais plus quel réseau vous avez... Instagram. Enfin, vous avez 500 abonnés, un truc comme ça, il me semble. Ah, c'est plus ça. C'est sûr. Ouais. Enfin, vous avez réussi à avoir quand même des témoignages, par exemple, comme Moussa Marega ou Mohamed Simakan. Enfin, qu'est-ce que ça vous a provoqué
comme sensation? Bah, de la joie en vrai. La joie, que aussi ça montre que notre tournoi il a été vu de partout, pas que dans les alentours, partout dans la France. Bah, bref, concernant le match, première défaite du tournoi, je trouve ça vraiment bien de créer une atmosphère de quartier tous ensemble. On se réunit pour jouer au foot, c'est ce qu'on aime tous depuis petit. Et le projet, je le trouve vraiment intéressant. Aujourd'hui, on perd, mais en soi, c'est la première défaite depuis 2 jours. Et comment ça se passe, la suite du tournoi? Moi, en fait, on a fait deux poules de cinq. Et les 4 premiers de chaque poule se qualifient pour les phases finales. Ensuite, ça fera 8e. 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Et ensuite, la finale. L'ambiance, c'est un truc particulier. Oui, c'est particulier. En plus, on le fait en plein Ramadan. La plupart des gens font Ramadan, donc c'est cool. Et ça nous permet aussi de se retrouver et de passer un bon moment, quoi. Donc l'événement en lui-même, il est bien. Concernant la finale, c'est vraiment une autre ambiance. J'ai entendu des gens dire qu'il y aura des fumigènes, ça. Genre, comment ça s'est passé l'année dernière? L'année dernière, concernant la finale, oh, après moi, j'ai une petite mémoire. Hein, je ne me rappelle plus forcément, mais... Je sais que c'était ambiance bon enfant, ouais. Avec un peu de fumigène, quelques pétards, mais rien de méchant, mais c'était bien quoi. Voilà. Ça marche. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, avec plaisir. Bonne suite du tournoi. Merci. Pas de problème. Merci. Ça marche. Rien. Et même cet été, quand il n'y avait pas de tournoi, les gens ils étaient impatients. Tu sais, ouais, ça va être comment la prochaine Copa? Et même les gens qui n'ont pas joué l'année précédente, ils se sont dit que cette année ils allaient jouer. Tu aimerais jouer avec les gars? Ouais. Avec dans une équipe de filles ou une équipe non. Mixte? En vrai, on n'en a pas pensé. Mais pourquoi pas? En vrai, ce serait une bonne idée. Ouais. Donc, appel aux filles, si vous voulez faire une équipe de foot, enfin une équipe pour le tournoi, franchement, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce que vous recherchez pour vous en organisant des événements comme par exemple la Copa? Procurer de la joie chez tout le monde et un peu rassembler, passer un bon moment en vrai de vrai. Parce que parfois vous dites ouais j'ai un peu la flemme etc. Bah en fait c'est que ça prend beaucoup de temps et en fait faut être sérieux parce que en fait tu peux pas dormir, t'es obligé d'être toujours à fond. Parce qu'en vrai nous on a investi mais... Faut que les gens aussi à côté soient sérieux aussi. On ne peut pas tout faire tout seul. En vrai, si ça marche bien, c'est grâce un peu à tout le monde. Hein. Ouais. Tout le quartier, tous les gens qui viennent regarder, même qui soutiennent et tout. Pour ceux qui n'auraient pas vécu la Copa del Mundo, le succès a été tel qu'ils ont créé une Ligue des Champions en plus, que vous pourrez retrouver très prochainement. Et enfin, un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas ou qui découvrent, Just For You est une émission créée par les jeunes pour promouvoir les activités culturelles autour de Cholet. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'association Un Point Commun, ou sur Sun, le son unique 87.7 à Cholet. Salut tout le monde!